Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce 7e épisode de Black and White 2. Oh yeah! Voilà le petit yeah de la part des villageois. Nous en étions là, nous étions en train de bâtir, de construire, de nous agrandir. Littéralement. Voilà, la créature s'amuse avec les villageois. Hop là, l'entrepôt est construit, on va pouvoir en faire le tour. On attaque directement sans passer par tout ça, voilà. Il y a toujours ces battements de cœur qui sont infâmes, qui nous cassent les oreilles. Sachez une chose, c'est que je n'y peux absolument rien. Hein, je tiens à vous le dire, mais bon, voilà quoi. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Oui! Voilà, à nous faire des mineurs, tout ça. Disciples mineurs. Moi je dis, les nouveaux arrivants en mineurs, ça va très bien. Les réserves de bouffe sont bonnes. Les réserves de bois le sont beaucoup moins, par contre. Allez, on est parti, on va continuer là, notre agrandissement. On va faire des petits bains. Parce que c'est swag. Ah, nous sommes des guerriers. Eux, les Grecs, font ribote dans des bains. Et alors, ça nous plaît de faire ribote dans des bains d'abord, hein? Qu'est-ce que tu trouves à y redire, toi? D'abord. J'aimerais juste laisser la place pour une route. Ah, ça passe pas, hein? Ah si, ça y est. Ah. Dur à faire cette route quand même. Voilà, une belle petite route, tranquille ou pépère. Alors eux on les fera pas, eux. La légende des 7 samouraïs. On raconte que 7 courageux samouraïs ont été pétrifiés par une entité maléfique. Les Grecs continuent leur expansion. Mon frère avait raison de les admirer. Mais nous ne pouvons les laisser continuer. Envoyez les troupes. Hop là, un samouraï. Oh, quelle intéressante statue. Mais elle a l'air un peu... seule. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Voilà. On aurait besoin des 7 samouraïs, hein. Alors, je sais qu'ils se planquent n'importe où. Le rouge, ma couleur préférée. Alors là, j'aurais pas deviné. De deux, on va essayer de les trouver rapidement, les gars. De mémoire, doit y en avoir un par là aussi, quelque part. Ils sont en train de bâtir les miens, donc regardez moi ça. Joli! Il fait ça tous les jours? Presque. On en est à 3. Tiens. Bah, une autre statue. 4. Pas un cinquième par là, non? Ah, ils sont difficiles à trouver, hein, ces samouraïs de zut. Hein. Je vous le dis, moi. Parce qu'il faut zoomer suffisamment pour les voir. Bien joué, patron!
Et ils sont très difficiles à choper. Bon, au niveau de la construction, là, vous en êtes où, là, les gars? Le temple, là, le temple, les gars, le temple. Construisez-moi ce temple, les gars. On en a combien, là? 5, il me semble. Ouais, 5 sur 7. C'est toujours les deux derniers les plus difficiles à choper dans ce truc-là. Je sais jamais où ils sont. Il est temps que nous passions à l'offensive, soldats. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'honneur et pour nos vies. À l'attaque! Rien à faire, mon gars. Alors, nous cherchons des petits points de couleur. Hop là, oui, il y a des bugs de son dans ce jeu, hein, je m'en excuse, mais... Les 5 premiers, on les a trouvés, mais illico presto, quoi, et les deux derniers, on galère un peu, là. Le sixième, et là, il m'en manque un, juste. Mais c'est toujours le dernier le plus difficile à trouver, hein. Ça, y a pas photo, le dernier, il est hyper chaud à découvrir. Tiens, regardez-le, il est là. Excellent! Vous avez trouvé toutes les statues. Bon alors, comment ça marche? Patience, tout vient à point à qui sait attendre. Alors, de mémoire, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel qu'il faut mettre. On va juste attendre que cette troupe là-bas elle arrive parce que je remarque que je me fais encore attaquer. Oh, les battements de cœur, si ça pouvait s'arrêter, quoi, ça serait tellement bien. Mais ça, malheureusement, c'est jamais le cas, bizarrement. Un peu trop fort. Beaucoup trop fort. Raté. Ah là, je les ai eus, là. Mais bon, pas assez. Bon bref, il me reste un miracle du feu là et puis terminé. Hein. Leur cité est réellement phénoménale. Si nous n'y mettons pas un terme, leurs mensonges vont réussir à nous priver de toutes nos forces. Piti 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 piti. Voilà. Nous gérons votre mort, honorable guerrier. Alors, les couleurs de l'arc-en-ciel, les gars, comment est-ce que ça marche, ça, hein? Je me sers du deuxième PC, parce que je connais pas par cœur, hein. Alors. Donc moi, je dirais rose ici. Rose ici. Ensuite, hein, le bleu ici. Le vert ici, le jaune ici, l'orange ici, et le rouge ici, c'est ça? Ah, on dirait. Oh les gars, du premier coup. Et voilà.
Et voilà. Les statues ont repris vie. Et on peut les utiliser. C'est merveilleux. Ces types sont vraiment costauds. Avec un escadron pareil, on va faire un malheur. Alors, certains de mes fidèles nous déshonorent par leur lâcheté. Nous serons plus forts sans eux. Ils veulent nous envahir par la force, mais leur manque d'honneur sera leur perte. Envoyez nos guerriers! Et voilà, ça c'est bien sympa ça. Ça c'est toujours pas construit, sans déconner. Il manque du bois et du minerai, je vais le faire. Hein. Non, parce que je commence à en avoir marre. Hein. De pas pouvoir créer des archers. Voilà, et en même temps, comme ça, je pourrais lâcher les trucs un petit peu avant. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Et ils sont où? Ah, ils sont là. Ouais! Disciple forestier. Voilà, il nous faut du bois, les gars. Il nous faut du bois, on va vous mettre au bois, vous. Ok, ensuite, ça. Est-ce qu'on peut créer une garnison? Ouais, avec... 25, j'en ai largement assez, les gars. On va commencer à se défendre. Eux ils sont géniaux là, eux là ils sont niveau max hein, de mémoire. Ah non. Ouais bon c'est pas grave. Les gars laissez pas traîner le bois s'il vous plaît, on en a pas de bois nous. Yes, les bains sont finis. Oh le territoire que ça m'a libéré. Voilà. Ok. Good. Alors ici on va leur mettre une autre garderie. Purement et simplement parce qu'il n'y a pas de respect. Et on va continuer à faire des villas. Toujours un petit peu espacé les villas hein, parce que j'aime bien espacer les habitations moi. Un dieu a décidé de nous rayer de la carte. Ah mais zut toi. Voilà. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Ça va, pour l'instant, ils attaquent pas de rue, quoi, donc bon... Pff. Voilà, quoi. On fait juste quelques petits archers pour bien se défendre. On va faire d'autres remparts, d'ailleurs, les gars, maintenant. Pourquoi est-ce que ça marche pas ça? Il y a des trucs des fois je comprends pas moi. Voilà. J'aimerais tirer des remparts de là à là en fait, mais c'est difficile à faire. Hein. Surtout que j'arrive jamais à bien les mettre moi les remparts. Il y a des remparts là, paf! Mais ils veulent pas.
Non mais je vous jure que c'est ça, un envahisseur là. Va envahir autre chose mon garçon, va envahir autre chose. Il me faudrait plus d'adorateurs les gars. Disciple, adorateur. Disciple, adorateur. Voilà. Que je puisse leur lâcher des boules de feu un peu plus souvent sur la figure. Oui, ils sont bien mes archers là. Maintenant, j'arrive à finir mes remparts là. C'est difficile à faire les remparts. J'ai beaucoup de mal à créer les remparts en fait. Je remarque que. Voilà, là logiquement ça devrait être bon. Enfin, on peut espérer que ce soit bon là quoi. Il est nécessaire de sang, on va essayer de suite. Hop là, excusez-moi, je tousse un peu. Bon là, je peux espérer qu'il passe pas entre les deux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, nickel, ça passe plus. Mouvement initié. Voilà, on refait un deuxième escadron qu'on va mettre ici, ce coup-ci, là, pour bien se défendre. Et logiquement on est en paix, on va pouvoir s'étendre gentiment par là-bas, tranquille ou pépère. Et on va convertir cette zone, je vous le dis, par... par notre incroyable grandeur. Bien sûr, si je pouvais caler un entrepôt ici, ce serait le top, mais je peux pas apparemment, il faut que j'arrive à descendre. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, qu'est-ce que je peux caser par là, moi? Une auberge. Ils boivent pour oublier la peur qui les ronge. Non, pas vraiment. Ah mais tu fais un tout petit geste quoi. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Ça va. Ça y est, eux ils sont nés, ils vont venir. Ici. On refait encore un escadron, les gars, pour être bien, bien tranquille ou pépère. Et qu'on va mettre ici, certainement, là. Nickel. Voilà, ça fait une large zone d'escadron, là. Comme ça, au moins, ici, on est tranquille, hein, les gars. Vous ne passerez pas. Ça fait plaisir de savoir qu'ils passeront pas. Alors ici ça construit, on va les aider un petit peu. Parce que sinon ça va encore prendre 3500 millions d'années. Voilà. Alors ici, il me faudrait faire en fait un grand bâtiment pour pouvoir grandement gagner en termes de place.
Et puis il est peut-être temps d'y mettre quelques petits... quelques petits marchés, vous en pensez quoi, vous? Ici, ils veulent pas les mettre, les marchés, je comprends pas pourquoi. Voilà. Ici, là, je peux rien mettre apparemment, c'est dommage quand même. Les Grecs aveuglent de plus en plus notre peuple. Hop, c'est ici, là. Nous avons conquis une ville! Mais oui, t'inquiète pas, on conquit les villes petit à petit, mon ami. Petit à petit, ça va arriver tout seul. Absolument tout seul, les gars, ça va arriver. D'ailleurs, il est temps de faire cette mission-là. Que le sang de ces Grecs abreuve l'âme de nos terres. Voilà, ils passeront plus, hein. Là, je suis assez tranquille. Donc, on va faire cette mission-là également. Cette ville est pestiférée. Il faut faire quelque chose. Dissipez ce mal avec votre main. Les habitants pourront migrer dans notre ville si vous les impressionnez assez. En fait, ici, il faut juste secouer la main, quoi. Vous voyez, il faut chasser le ver comme ça, là. Mais attention, les pestiférés peuvent se remettre à en pestiférer, donc les dépestiférer. Donc faut bien tout chasser. Elle est chiante cette mission parce que voilà quoi, elle demande à secouer la souris sans arrêt, mais à part ça, bon, ça va, elle est pas... C'est pas non plus voilà quoi. Que la puissance de l'ouragan fasse l'œuvre de nos sabres. Beau travail! Maintenant impressionnez-les pour qu'ils nous rejoignent. Non! Envoyez une armée! On les aura par la force. Mais non, pas par la force, garçon. Alors il m'a dit la puissance de l'ouragan, l'ouragan lui là. Je crains le pire, je sais pas pourquoi, mais je crains le pire. Alors lui là, il va se prendre une pluie de flèches sur la figure en approchant quoi. Vous voyez, j'ai plus rien à faire pour les défendre. Oh! Oh bah d'accord, ouais. Oh la créature, qu'est-ce que leur ami, hein. Oh ce que la créature leur ami, hein. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. On dirait que ces animaux connaissent l'art de la guerre. Comment est-ce possible? Lol, la créature. Elle a essayé de s'en débarrasser, les gars. Moi je dis, je m'oppose pas à elle, hein. Là, je veux dire, je ne m'opposerai absolument pas à elle. Puis elle a fait sa propre en plus, hein, il en reste pas un. Hein. Hop là, des points d'influence en plus. Disciple bâtisseur. Non, je veux des reproducteurs, les gars. Disciple reproducteur. Voilà. Au niveau du grain, ça commence à craindre un petit peu. Je remarque qu'on a très peu de réserves pour l'instant. Peut-être pas assez de fermiers, en fait. Peut-être vraiment pas assez de fermiers, ouais. Peut-être qu'un nombre plus important de fermiers serait appréciable, je pense. Voilà.
On n'est pas trop mal, les gars, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'étais pas très loin. Encore un peu, on va prendre du miracle de la foudre, ça roule ça. Là le truc il est en feu. Ah il brûle, il va mourir. Il va mourir. Tranquillou pépère. Moi, j'aimerais bien qu'ils me construisent ça plus vite, là, les gars. S'il vous plaît. J'aimerais que vous me construisiez ça plus vite. Hein. On va les avancer un petit peu, parce que là, c'est trop long, là. Putain, on a vraiment rien en bois. Là, on manque cruellement de bois. On manque cruellement, cruellement de bois. Voilà, on s'agrandit, les gars. On s'agrandit, on s'agrandit. Alors, par contre, il y a un truc que je veux raser, là, c'est cette route de zut. Je peux pas la raser. Pourquoi je peux pas la raser cette route? Elle sert à rien cette route, les gars. Bon, on va devoir faire avec. Hein. On va se faire un petit entrepôt ici. Boum. Un entrepôt ici. Boum. Et des champs. Eh oui. Parce que vous voyez, c'est la seule zone fertile qu'on a à part celle-là, là. Quoique ici, on pourrait en faire aussi, vous me direz. Paf. Du champ, du champ, du champ, les gars, voilà. D'ailleurs, du coup, il nous faudrait plus de fermiers. Ah, ici, il y a plein de monde disponible, là. On va mettre du monde au champ. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple fermier. Voilà, il nous faudra encore plus de monde au champ pour aller bien. Encore plus de monde pour les champs, mais alors... Parce qu'il nous faut encore Disciple plus de fermiers. Disciple fermier. Disciple fermier. Oups! Oh, ça doit faire mal quand même. Quel terrible gâchis de vie humaine. Oups, j'ai pas voulu, les gars. Ah, mais reste là, toi. Non, ça marche pas. J'ai pas voulu, purée. Ah, oh, zut, vous voyez, c'est le problème, ça. C'est que quand on veut faire vite, on fait pas bien. On va en prendre d'autres, c'est pas grave. Disciple reproducteur. Disciple fermier. Disciple fermier. Ah là là, tranquille. Disciple fermier. Ouais, bon, ça va, hein. C'est pas la peine de gueuler comme ça, on a compris, hein. Ah, mais je vous jure. Oh yes, ils m'ont construit un entrepôt ici. Ah, c'est bien ça. On a tout plein de bois ici. On va récolter un petit peu. Histoire de faire déborder un petit peu les réserves.
Parce que là, clairement, on manque de bois, les gars. On manque grandement de bois, donc on va faire un petit peu déborder les réserves. Et ça va nous faire du bien. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de respect, comme ça, on a du bois. Ok. On va pouvoir faire encore d'autres habitations, d'autres trucs. D'autres garderies. Voilà. D'autres bains aussi, tant qu'on y est. Parce qu'il n'y a strictement aucun respect dans cette histoire-là. Ça suffira. On va faire des maisons, les gars, des maisons et encore des maisons, moi je vous le dis. Parce que là, je veux dire, il nous faut des villas, il nous faut des habitations. Et si on n'y arrive pas comme ça, bon, on ira en guerre. Voilà. Une statue de la fertilité ici. Non, c'est pas ça que je veux. C'est la statue de la fertilité, les gars, que je veux. Voilà. Un petit puits, un petit puits, un petit puits, un petit puits. Un puits. C'est pas ça que je veux. Mais c'est pas ça que je veux. Ah, mais. C'est lui que je veux. Ah, mais. Voilà. Et comme ça, on peut continuer à s'étendre. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vas te faire bombarder de flèches, dans tous les cas. Ça commence à être embêtant, hein. Je vous jure. Hein. Ah ouais, non, là, beau quartier, les gars. Là, beau quartier, beau quartier, beau quartier. Très, très, très beau quartier. J'aimerais bien leur faire un temple ici, mais pour l'instant, je peux pas encore. Hein. Ok. Avec, donc, les champs. Ici. Parce que l'air de rien, il faut les nourrir, ces idiots. Donc il nous faut du champ. Du champ, du champ, du champ ici. Ouais, parce que l'air de rien, il faut des fermiers. Ouais, tout le monde qui est disponible. Hein. Allez, on va en prendre quelques-uns. On va se faire quelques bâtisseurs. Disciple de plus. Bâtisseur. Et après. Disciple forestier. Des fermiers, du fermier, les gars, du fermier. Je veux du fermier. Ça, c'est presque construit. Vous avez vu la montagne que ça crée, n'empêche. Hein. C'est. Voilà quoi. Alors, eux, ils sont en train de se reproduire, soi-disant. Il y a des fourmis par terre, les gars. Est-ce que c'est normal? 9 sur 11. 5 sur 11. On va faire d'autres travailleurs. Disciple raffineur. Disciple raffineur. Disciple raffineur. Voilà. Disciple fermier. Allez, on va les aider un tout petit peu. Histoire de, voilà. Ensuite, ici, là, ça nous embête pas, non? Pour l'instant, on dirait pas.
c'est good. Tiens, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut acheter. Oh, le miracle du météore, c'est tentant quand même. Le miracle du météore est bien tentant. Ça aussi. Allez, on achète un domaine, les gars. Et une université. Allez, hop, comme ça, c'est fait. Alors, où est-ce que sommes les amis? On cherche le domaine et l'université. L'université, elle est là. Donc ça, déjà, c'est good. J'ai été trop patient. Envoyez des troupes réclamer nos terres. Déchaînez la fureur des vents. Lancez le miracle de l'ouragan. Nous aurons beaucoup de choses à apprendre dans cette université. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il m'a lancé sur la figure encore? Un ouragan. Mon mur. Ok, des arbres. Waouh. Ah ouais, d'accord, ouais. D'autres trucs, quoi. J'ai plus aucun... Ah, il me faut du bois, en fait. Pour pouvoir m'en servir, quoi. Parti où ce truc? Allons-y. Ah ouais, il m'a tout abîmé quoi. Il m'a absolument tout abîmé. Ok. Vous avez vu le nouveau quartier, comment il s'est construit trop vite? Génial. Génial. Voilà. Un endroit parfait pour mes gardes d'élite. Maintenant, en fait, on va faire des domaines, les gars. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Nous avons conquis une ville. Cool. En même temps, en plaçant les domaines, les gars, on peut que les conquérir rapidement. Hein. Ah ouais, on a conquis toutes les villes en même temps, limite, quoi. Ah bah oui, ça va vite hein, quand on fait les domaines ou ce genre de truc-là. L'université, je sais pas quoi ça ressemble, ça a l'air génial, ça aussi. Par contre, ouais, le truc qui tourne en rond, les gars, là, je veux pas dire, mais... Je peux pas le détruire, c'est bizarre, hein. Je peux pas le détruire, je trouve ça idiot. Ouais, c'est good et c'est pas trop mal ici aussi.
Ah, du coup, ça m'a carrément rasé le champ ici, là. Oh. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il nous faudra encore des agriculos, les gars. Allez, on prend une trentaine de villageois avec nous, là. En fait, il nous faudrait peut-être aussi des reproducteurs. Disciples reproducteurs. Disciples reproducteurs. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hein. Un peu loin. Un peu beaucoup loin en fait. Paf! Dans la ganache. Raté. Raté. Paf! Oh yeah! C'est efficace le bouclier, hein? Aussi, hein? L'air de rien. Parce que là, ça les a envoyés valdinguer, ben, perpète les oies, quoi. Ça les a envoyés valdinguer à perpète les agassous, le bouclier. J'aime bien, tiens, c'est sympa comme truc. Trop fort. Paf! Adieu! Relève encore toi. Alors que tes copains se noient. Regardez-moi ça les gars, c'est la noyade. La noyade. Coulez mes créants. J'aime bien les faire couler. J'aime beaucoup. Ah mais une résistance zéro quand même là-dedans. Je veux pas dire mais on est un petit peu à la dèche hein. Ah oui, en termes de minerais, on est même complètement à la dèche, les gars. L'avant-poste nord est tombé. Ils vont le payer. Nous avons conquis une ville. Yes, regardez ça, les gars. On a encore conquis une ville. C'est good. Hein. C'est good, c'est good, c'est good, les gars. C'est very good. Et vous imaginez ça, il y a trois drapeaux en même temps, les gars, là, qui rappliquent, quoi. On n'a pas construit encore tout un seul domaine. Mais l'université, du coup, ça... Oh, on n'a plus de minerais, en fait. On n'a plus du tout de minerais, les gars. Ah, du coup, la créature a décidé de s'en charger. Votre mort, honorable guerrier. La créature a décidé de s'en charger. Connaissent l'art de la guerre. Comment est-ce possible? Ah ben j'ai de bons animaux moi monsieur hein. Moi monsieur c'est pas des animaux de Tarlouse que j'ai hein. Là hein. Eh je veux dire il y a pas de respect hein. Ça va bien prendre. L'ennemi ploie sous notre force. Nous les aurons bientôt repoussés. Il y a plein de minerais là-bas mais pour aller le choper ça va être juste difficile quoi parce qu'il y a cette porte là à ouvrir. Autant je peux envoyer la créature à la fracasser, mais... Viens ici, toi. On va envoyer la créature casser ce rempart-là. Et après, en fait, on va former des armées pour aller prendre ce village-là parce qu'il y a une mine ici qui m'intéresse. On fortifiera ici, et à ma foi, il sera plutôt bien protégé. Et donc, bah, dans l'idéal, il serait pas mal celui-là. Celui-là serait vraiment bien, même. Ici, avec la cohorte d'archers que j'ai, on est protégé. Hein.
Ah, je sais les gars qu'on n'a pas de cailloux, mais il nous en faudrait quoi pour finir les bâtiments là. On a de nombreux fermiers déjà, c'est bien ça au moins. La créature, on va te mettre en guerrier un petit peu. Vas-y, pète-moi cette porte. Oh yeah! Oh yeah! Ah ouais, elle a décidé de leur en vouloir à ces remparts là. Vas-y, vas-y, attaque-les ma fille, attaque-les, attaque-les. Ils sont costauds quand même hein, ces remparts. Hein. Y a pas à dire. Hein. Et alors maintenant au moins j'ai le champ libre, je vais pouvoir passer. Tranquillement. Ouh. Il y a une créature adverse qui est en train de s'approcher, j'ai l'impression. On est en train de défoncer là-bas, tranquille, peu peur. On lui a mis le feu aux fesses, on dirait. On dirait clairement qu'on lui a mis le feu aux fesses. LOL, il fait ses besoins sur le rempart. Ah, excellent, génial. J'adore, j'adore cette créature. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Attends, d'abord on attend que eux ils crèvent là. Parce que on va vous accepter les gars, vous inquiétez pas, vous avez 20 000 minerais quoi. Vous inquiétez pas, on vous accepte les gars, avec tout le minerai que vous avez à... Ah bah ouais, vous avez qu'à rentrer les gars. Et la créature qui est tranquillement en train de défourailler ce mur là. Peinard, 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 peinard. Bon, il rentre oui ou il reste dehors ces idiots là. Ils sont bêtes comme leurs pieds, eux. Bon, les gars, on a plein de minerais ici qui est arrivé grâce à eux. Voilà, du minerai en pagaille, les gars. Oh, l'université, ça génère des prestiges, apparemment. Vous avez vu tous les bonhommes qu'on a, les gars, sans déconner? On est bien, moi, je vous le dis, on est super bien. Ça y est, ils sont rentrés. Ils sont super nombreux en plus, regardez-moi ça quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je dis des fermiers, ça serait idéal. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple fermier. Un groupe d'immigrants attend en bordure de votre zone d'influence. Vous pouvez les accepter ou les rejeter. Et allez! Alors, j'aimerais d'autres mineurs par contre. Disciple mineur. Disciple mineur. Même si je sais que ça sert à rien, les gars. Mais au moins, voilà quoi. YOLO. Ah ouais, ouais, fait vraiment ses besoins en plus. Hein. Regardez-moi ça, on voit même les crottes et tout, c'est génial. Par contre, je sais pas ce qu'elle attaque là. Elle a décidé d'abattre ses remparts, et c'est tant mieux pour nous. Ça, ça produit. Eux, ils produisent. Même s'ils rendent les gens pas contents à côté, hein, on s'en fout après tout. Waouh, les... ah ouais, les villas, là, les... eux, ça, là, ça donne du prestige comme il faut, hein, j'ai l'impression. Là, il y a une sorte de petit quartier huppé qui s'est fait, les gars. De toute façon, si je continue à construire, on va tout conquérir. Hein. Je vous le dis purement et simplement. Hein. Je sais pas ce que c'est ça. On dirait des lanternes, peut-être. Je sais pas. Voilà. Ah, des fois j'arrive à choper les trucs, c'est un petit peu à l'extérieur. J'aime bien, perso, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Toi, tu vas mourir, c'est clair et précis, mon garçon. Piti, 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 piti. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Oui, ça avait rien d'honorable, hein. Bon, Thierry va raser ce bâtiment là ou bien? Oh, qu'est-ce qu'elle est longue cette créature, je vous jure. Bon, on va se faire un petit contingent après. Un petit contingent de guerriers. Genre la garnison des familles qu'on peut construire ici. Il y a besoin de bois et de minerais. On va le construire parce que sinon ça va prendre 156 millions d'années. Le minerai, je l'ai mis où le minerai? J'ai mis là le minerai. Un groupe d'immigrants attend à la frontière. Deux minutes, mon garçon. D'abord, je finis de faire ça. Hop là, bien sûr qu'on les prend les gars, bien sûr. Ils reviennent là, mourir sans arrêt. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Je pourrais pas réparer les trucs un petit peu, non? Peut-être pas assez de bâtisseurs, je sais pas, mais alors... Hein. Ils font jamais rien. Alors on laisse 10 bonhommes quand même disponibles. Oh, les mineurs qui vont dans les trucs et tout ça. Je sais pas du tout où ils vont eux, mais ils y vont hein.
Je sais pas, on verra bien. Bon, elle se remporte, t'en es où ma fille? Allez, viens, va. Arrête-toi, va. Reviens ici, ma chérie. Il va nous tirer dessus! C'est un peu raté le truc quand même. Elle est belle notre... Eh, sans déconner, notre ville, elle est super belle, je trouve. Elle est vraiment magnifique. On a fait un super truc, je trouve. Ne faiblissez pas. Là, les gars, on fait déplacer du gros, gros, gros régiment. Ah ouais, ils se mettent là, en fait, parce qu'ils n'ont plus rien à faire, je pense. Allez, vous aussi, là, vous allez aller monter la garde ici parce qu'il commence à m'embêter, mais Gravius, Gravissus, Gravissimus, quoi. Je dirais même qu'il commence à me faire suer, à m'envoyer sans arrêt des escadrons de guerriers, là. On va la mettre un vrai gros escadron en face, on va bien voir ce que ça va donner, hein. Voilà. Bon les gens, ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. On a tellement agrandi la ville que maintenant j'ai quasiment plus de place pour m'étendre. Ce qui est plutôt génial, je trouve. Moi je suis content que j'ai plus de place comme ça. Ils nous font des domaines dans tous les sens et tout ça, là. C'est génial, je trouve. J'adore, je kiffe. Bon, du coup, on a un petit peu enlevé tous les hommes, etc. qui sont partis se mettre au combat. Boum. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Qu'est-ce qu'elle est chiante cette créature? Ah ouais, là, il y a du boxing, là. Là, il y a du boxing, les gars. Là, il y a du boxing. Je veux dire, là, les gars, ça se frite, là. Oups. Hop, purée, ça part tellement loin, des fois. Ouais, ça va, je vais soigner un petit peu. Ah ouais, là ça se fight, les gars, ça se fight. Pouah. Poum. Tiens, mange ça dans les dents. Achève-la, ma fille, achève-la. Achève-la. Bouah. Boum. Ouille. Oula, la santé de ma créature. Taisez-vous, les gars. Non.
C'est un jour noir pour notre peuple. Ouais, elle arrose des arbres, carrément, elle. Viens ici, s'il te plaît, là. Ah, purée, ils font du bruit, ils me gonflent. Ah, lâchez-moi! Mais reste là, toi! Voilà! Oh là là, qu'est-ce qui part loin? Allez hop là, on a encore calé un bouclier. Et eux là, ça les fait XP. Ce fight comme ça, en fait, ça les fait XP. Vous voyez, comme ça, ils sont apprentis maintenant. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Ouais, ils sont bien là, comme ça. Voilà, et comme ça, la créature combat avec... Bon, les gars, ça fait une heure qu'on y est, hein. Purement et simplement, vous voyez, donc on s'est largement développé. Là, maintenant, je vois pas trop où c'est que je peux aller, hein. Peut-être devant ici, là, si je pouvais faire le nécessaire. Mais bon, je pense que je vais aller conquérir la ville là-bas, en fait, ici, là. Avec l'aide de la créature et de toutes mes garnisons. Notamment cette deuxième ici, qui est en train de chômer lamentablement. Voilà, on va les lier ensemble, ces deux-là. Comme ça, je sais où c'est que j'en suis, à peu près. Et moi, ben les gars, je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode, parce que là, je veux dire, là, il n'y a plus de respect, je trouve, hein. On pourra dire ce qu'on veut, hein, là, il n'y a plus de respect. Allez, je vous remercie à tous. Pensez naturellement à plein de pouces verts, de plein de j'aime. C'est ce qui permet le référencement de la vidéo, hein. Je n'ai plus arrêté de le dire maintenant que j'ai trouvé ça. Plein de pouces verts, plein de commentaires, plein de tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao les gens.